Où sommes-nous? Dans la zone bêta. Il y a des pillards qui arrivent derrière, commandant. Mes doigts sont de plomb. Concentrez-vous, commandant. Ils approchent. Bon, fais-moi le 6-0, Charlie. Ils arrivent droit sur nous. Laser. Ok, on vire de bord. On va les secouer un peu. Croiseur à 5 heures. Attention à l'arrière, Sam. C'est bon, on y va. Attention. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? C'est peut-être une panne de générateur. On sera sans défense, sans le champ de force. Commence pas, Sam. Donne-moi un coup de main. Tout n'est pas perdu. Je vais brancher le générateur auxiliaire. Tu as du fil? J'en ai. Demande. Mon hibernation a duré combien de temps? Sur Terre, votre fils doit être plus âgé que vous. J'espère qu'il a mieux tourné que moi. Plus haut. Plus haut. Vous avez réussi, commandant. Plein gaz sur vecteur avant. Et vérifie le champ de force. Plein gaz, commandant. Retourne, Sam. Voilà le vaisseau amiral. Vérifiez le champ de force. Intensifiez-le. Un alpha 65. Un alpha 60. Un alpha 52. 51. Déclenche la fusion atomique. De fusion dans 5 secondes. Feu! Feu! Terminé, commandant. Commandant, on a reçu de nouveaux ordres pendant votre hibernation. Mauvaise nouvelle, commandant. Nous sommes déroutés. Vers où? Exorbia. Très amusant. Il y a eu un accident dans un laboratoire top secret. La Fédération vous a demandé nommément. Toute notre permission a été annulée. J'avais dit que je rentrais chez moi. C'était un ordre, commandant. Ils ont dit que vous comprendriez. Dans une décennie, peut-être. Préparez-vous pour l'hyperespace. L'hyperespace? Oui, commandant.
Corbia, commandant. Préparez-vous à l'arrimage. Chasseur 7 à Xabo 5. À vous, s'il vous plaît. Roger, chasseur 7, nous vous voyons. Gardez votre cap. Roger, Exorbia, cap maintenu. Qu'est-ce qu'on fait? Engagez-vous en code 65. Visez 4 points clignotants, on vous dirigera. Directeur de recherche. Mike Colby. Bien sûr, voici mon assistante, le docteur Glaser. Elle en sait plus sur la synthèse génétique que n'importe qui au monde. Très intéressant. J'ai entendu dire du bien de vous, commandant Colby. Mike. Ça fait plaisir d'être ici sous votre plaisante garde. Si on s'y mettait. Venez, suivez-moi, je vais vous faire visiter. C'est un laboratoire de recherche de haute sécurité. En fait, c'est le rêve pour un savant. Nous avons tout ce qu'il y a de mieux ici, sauf la vue. On nous a mis ici pour deux raisons. Primo, parce que nous travaillons sur une bactérie propre à cette planète. Secondo, parce qu'on peut prendre des risques expérimentaux ici, dans une isolation qui serait impensable sur Terre. Quel genre de recherche faites-vous? Technique, génétique, bactériologique surtout. Notre objectif est d'essayer de créer une nouvelle source alimentaire extrêmement productive. Et nous y avons réussi. Racontez-moi l'accident. Désolée. Mais il n'y a pas de quoi, hein? Tracy, pouvez-vous me trouver Jimmy maintenant et lui dire de venir au labo? Bien sûr. Désolée. C'est pas grave du tout. Vous êtes un nouveau visage ici. On ne voit pas souvent de nouveaux visages. C'est la vérité. Ici. Bon. Fermez les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça tue toute chose vivante sur la personne. L'asepsie, c'est notre credo. Aucune impureté n'entre, aucune impureté ne sort. Il n'y a pas de risque de cancer? Attention à la marche. Bienvenue au jardin d'Éden. Nous jouons à être Dieu ici, nous créons la vie. Le seul ennui est que certaines vies créées par nous se tiennent mal. Mike Colby, Carl Tinbergen, chercheur en bactériologie. C'est un vrai génie. L'un des rares. Enchanté, monsieur. J'ai cru bon de laisser le merdier jusqu'à votre arrivée, car vous, ça vous connaît, les merdiers. Un signe quelconque de psychose d'isolement dans l'équipe? Aucun dans notre équipe. Il ne s'agit pas de nous, Colby. C'est plutôt autre chose. Quelle autre chose? L'expérience 20. L'expérience? Nous avons créé un petit monstre. J'en ai peur. Voyez donc vous-même. Il est là. Je vous présente l'expérience 20. Qui l'a placé dans l'incubateur? Il s'est mis lui-même dans l'incubateur. Qu'est-ce que c'est? Un métamorphe. Un quoi? Un métamorphe, c'est une mutation métamorphique. C'est comme un mutant ordinaire, en ce sens qu'il est génétiquement différent de sa souche. Un métamorphe fait beaucoup mieux. Il n'arrête pas de changer sa structure génétique, mutant, encore et encore, tout en se développant et en mûrissant. Génétiquement, c'est un sauvage féroce. Il est totalement imprévisible.
Mieux vaut ne pas l'ouvrir. C'est quoi ce truc informe? C'est un cocon. Intéressant, hein? Il change de forme là-dedans, comme une chenille? Il change sûrement, en tout cas. Dieu sait en quoi. Sûrement pas en papillon. Et cette petite chose a causé tous ces dommages? Cette petite chose a beaucoup d'énergie. Son métabolisme est 50 fois celui de n'importe quel organisme connu. Alors on devrait s'en débarrasser. Si on verse quelques gouttes d'acide cyanhydrique là-dedans, il sera bel et bien mort, votre métamorphe, et je rentrerai chez moi. Je ne crois pas que vous ayez saisi, Colby. Je saisis parfaitement, docteur. Vous vous êtes égaré dans vos recherches. La recherche scientifique mène souvent vers des territoires inconnus. Je ne parle pas de territoires, docteur. Je parle de créatures étranges qui tuent. J'ai une bonne devise. Si ça bouge, et que ce n'est pas l'un de nous, tuons-le. Voyons, juste ce qu'il nous faut. Je ne plaisante pas, docteur. Je sais quand jouer le jeu et je sais sauter en marche. Cette chose est ennemie. Ça se sent à plein nez. L'extermination n'est pas la solution. Il a raison, commandant. Laissez-nous le temps de vous renseigner. Attendez une nuit. Vos arguments sont beaucoup plus convaincants que les siens. J'ai des idées magnifiques, quelquefois. Si on en discutait en dînant. Vous avez faim? Ça commence, oui. Jimmy, vous pouvez nettoyer maintenant. Ok, pas de problème. Tracy, joignez-vous à nous. Bien sûr. Si la petite terreur fait quoi que ce soit de bizarre, appelez-moi. Ok. Sécurité. Salut, c'est Jimmy au labo. Ozer est là? Pas encore. Quand il arrivera, tu veux lui dire de m'appeler? Son petit bébé prend forme. D'accord. Service génétique. Jimmy, ici Ozer. Docteur, la chose bouge, on dirait. Elle agit bizarrement. Est-ce qu'elle bat comme un cœur? Oui. Eh bien, c'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un va descendre tout de suite. Ok. Merci, docteur. C'est bon. Tracy, descendez en génétique et assurez-vous que tout va bien. Oui, docteur. S'il y a quelque chose d'intéressant, dites-le-moi. Je ne voudrais pas rater ça.
Où as-tu mis la crème? À quoi? La tarte aux fraises se mange en principe avec de la crème. Parce que c'est une tarte pour vous, ce truc? Je croyais que c'était une des catastrophes génétiques de Karl. S'il te plaît, Barbara, je ne peux pas manger ce machin sans crème fraîche. Je peux peut-être bien te fabriquer une synthèse de crème. Ça aura l'aspect, plus ou moins. Ça a plutôt l'air de purée vomi, si tu veux la vérité. La crise alimentaire galactique frappe encore. Souffre. Qu'est-ce que l'expérience 20 a à voir avec la crise alimentaire? C'est un mutant génétique. Un agglomérat proto-B comme les autres. Excepté que le mutant a échappé un peu à notre contrôle. Un peu. C'est quoi, le proto-B? Vous avez une petite notion de génétique? Je ne fais pas de différence entre un mutant et un loup-bar. Alors, montrez-nous le dossier 7063. Proto-B. Il tire son énergie de la lumière, des produits chimiques disponibles et de façon encore plus efficace en consommant ses propres déchets. Il vit dans un circuit fermé, parfaitement équilibré. Pas de prédateurs, pas de proies. Proto-B se reproduit à un rythme incroyablement accéléré. C'est scandaleux, cette façon de se multiplier. Nous l'avons greffé sur un autre organisme et il n'y a plus moyen de l'arrêter. Nous l'avons greffé sur une algue et on a eu une substance bizarre qui pousse à une vitesse telle que vous auriez des difficultés pour l'anéantir. Votre boulot ici consiste à implanter Proto-B sur d'autres gènes de d'autres organismes. Donc, en fait, l'expérience 20 a commencé comme les autres. Alors, l'expérience 20 est le résultat génétique d'un mariage entre un proto-B bactérien et un autre organisme. Exactement. Quel est l'autre organisme? Je dirais-il animal ou végétal? Je vous en prie, c'était un animal? Oui. Non. Si. Dois-je entendre peut-être bien? Essayez de savoir ce qui s'est passé avec Annie. Qui est Annie? Demandez-le-lui. Barbara, je vous avertis. Parlez-moi d'Annie. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter de ça. Qu'est-ce que ça change, hein, maintenant? Elle est décédée. On peut appeler ça comme ça. Vous appelleriez ça comment? Elle est décédée. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Tracy! Sors pas là, sortons d'ici. Le métamorphe, où est-il? Je ne sais pas. Retrouvez-le, bon Dieu. Attendez, j'y m'y vis encore. C'est impossible. Aidez-moi à le soulever pour mieux le voir. Il peut pas être vivant, Karl. Regardez-le, bon Dieu. Je ne sais pas comment cette chose a pu arriver. On aurait dû le tuer quand c'était possible. Ma question, Brian, l'enjeu est trop important. Dis ça, Jimmy. Allez le retrouver. Et n'arrêtez pas de chercher. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je le retrouverai. Je retrouverai ce bâtard de mutant. Plus de cerveau. Boîte crânienne éclatée. Mais il y a de la vie dans son cervelet. Le cœur bat toujours, le tissu cellulaire est en bon état. Il est vivant, oui. Cliniquement, en tout cas. Et si cette chose n'est pas ici? Il faut qu'elle soit ici. C'est une salle stérile. Les germes ne peuvent sortir. Ce n'est pas possible qu'elle soit sortie. Je ne peux rien faire ici. Je vais le descendre en salle d'opération. Tu ne m'échapperas pas, espèce de mutant génétique. C'est fini pour toi, saloperie de mange-tout. Bien attention. Dites-moi si vous le retrouvez, hein. Je commence à croire qu'il est ailleurs qu'ici. Ne sois pas idiot, Brian. Comment serait-il sorti?
Il est peut-être sorti, après tout. Ne cessez pas de chercher. Peut-être qu'il est invisible. Vous avez vu ma trousse? Je la trouve nulle part. Il faut raconter à Colby ce qui est arrivé à Annie. Je ne peux plus assumer ça. C'est à Gordon de se débrouiller. Il sait ce qu'il fait, hein? Je crois qu'il est au-dessus de tout ça. Mais je crois que vous devriez dormir un peu. Vous voulez que j'aille vous aider? Je vous le dirai. Non, pas encore. Tu devrais aller te coucher. Tu as besoin de faire le vide quelque temps. Ouais. Ok. Tracy. Je ne sais pas quoi te dire pour Jimmy. Ça va aller. Pas d'ici demain, il faudra démanteler le labo pièce par pièce. Vous voyez que ça va être un cauchemar, une saloperie de cauchemar. Bonne nuit, Gordon. Vous parlez d'une bonne nuit. Dormez bien et attention, punaise. Votre chambre est la numéro 2. Ok, merci. Ouvrez l'œil cette nuit, Earl. N'inquiétez pas, je connais mon boulot. Sam, ça va bien? Très bien, commandant. Vous êtes le meilleur tireur, paraît-il, de la Fédération, non? Si. C'est ce qu'on dit. Vous tirez sur tout? Non, commandant, votre chambre, c'est le numéro 2. Eh, merde. Thank you.
Hey, qui est là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez pas que je prends un sauna, non? Je m'excuse. Allez-vous-en. Bravo, vous êtes magnifique. Oh, c'est pas vrai. Et je voulais savoir qui se trouvait là. Et maintenant que vous savez, sortez donc. Je suis libre tous les matins dans cette maison de fous, et j'entends bien garder cette liberté sans rendre de compte. Vous ne devriez pas vous exposer avec cette chose qui court. Je croyais qu'elle était enfermée dans le labo. Nous ignorons où elle est. Et vous êtes passé pour m'avertir. Vous ou quelqu'un d'autre? Merci. Vous savez ce que je pense? Vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin d'un sauna. Ben, pour dire la vérité, j'ai eu une nuit dingue. Alors faisons un marché. Honnête. Mettez-vous nu. On ne voit pas beaucoup de nouveaux visages par ici. Et c'est l'une des choses que j'aime dans mon job. C'est toujours moi, le nouveau visage. Oh, Mike. Et il y a d'autres choses que je n'aime pas dans mon job. Comme quoi? Ben, comme ça, par exemple. Ça s'est passé à Pythor. Sam et moi avons rencontré une caravane de venturiens. Tu sais, sur Titan. Enfin, n'importe comment, tout a commencé lorsque Sam et moi, sans beaucoup de tact, je dois dire, nous avons traité un commandant venturien de poussapuant, de gras double, de gros cul à la con, et de tas de merde ambulant. Il faut que je retrouve cette saloperie. Oh que non. Vous allez rester ici avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Protobé, quoi? Ça va? Que s'est-il passé? Votre métamorphe nous a attaqué. Où est-il? À l'intérieur. Vous ne l'avez pas tué, hein? Hélas, non, écoutez-le. Il grossit, et de plus en plus chaque minute. Qu'est-ce que c'est, Ozer? Protobé et quoi? Ce ne sont pas vos affaires, Colby. Trouvez un moyen de le piéger. Trouvez-le tout seul. Moi, je ne vais pas y retourner. Hé, hey, du calme. Vous voulez savoir ce que je pense? J'aimerais qu'on me dise ce que vous faisiez, vous, être assis dans cette tenue. Il expliquait toutes ses cicatrices, sans doute. Il a fait éclater le conduit de la vapeur. Possible. Le ciel est en train de sortir. Vous pensez toujours vous en tirer en cachant la vérité, Gordon? Faites votre boulot et c'est tout. Vous voulez m'aider? Bien sûr. Bon, vous, Brian et moi, allons sortir pour le traquer. Brian, allez chercher Sam et amenez-le dans le sas de décompression. Nous aurons besoin de lui. Tracy, allez à la salle de contrôle et suivez-nous avec les caméras extérieures. Barbara, allez trouver Carl et mettez-vous à travailler sur Jimmy. Apprenez tout ce que vous pouvez concernant le métamorphe. Comment il fonctionne, ok? Earl, où est-il? Il doit sans doute manœuvrer son moniteur pour chercher Mange-tout. Qui ça? Mange-tout, c'est comme ça qu'il l'appelle. Bon, ok, allons-y. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'en ai pas la moindre idée. Je suis mon intuition. On va se payer cette saloperie de mutant. Se transforme. Il nous change aussi. Qu'en pensez-vous, Barbara? Bonne chance, les gars. T'inquiète pas, on donnera tout le sale boulot à Sam ici présent. On me met au rancard quand la vie est belle et on en sort quand tout est merdique. C'est classique. Très juste, la ferraille. Que tant qu'on pouvait faire une décompression graduelle, on pouvait rester dehors pendant une petite heure sans trop de difficultés. Après, ça devient risqué. Narcose par l'azote? C'est similaire, oui. L'azote dans le sang fait de la mousse, des bulles minuscules. L'effet produit est assez dramatique, une ivresse instantanée qui conduit à l'euphorie. L'ennui, c'est que c'est tellement agréable qu'on oublie de rentrer. On a failli perdre Earl à 1 km d'ici, dans la nature. On l'a trouvé à poil, en train de bouffer du sable. Je croyais que c'était du sucre.
c'est l'analyse du tissu gélatineux. Ça devrait m'apprendre de quoi c'est fait. Regardez, c'est extraordinaire. Barbara, regardez ça. Karl, Karl, qu'est-ce qu'il fait? Il se divise. Il se reproduit. Barbara, cette chose est presque pure protéine. Ce que nous voyons est une manière d'avaler un être complexe, sophistiqué, je veux dire un être humain, pour le transformer en un organisme simple, élémentaire, dont la seule fonction est de croître et de se reproduire. Le tissu cellulaire de Jimmy a subi une radicale métamorphose. Comme tous les humains, Jimmy est fait de milliers de cellules spécialisées et sophistiquées, de cellules avec une unique fonction. Une cellule provenant d'un œil est très différente d'une cellule d'orteil, exact? Bien sûr. Mais depuis qu'il a été attaqué, toutes ces cellules spécialisées se sont mises à changer. Jusqu'à ce que toutes les différences aient pu être effacées. Jusqu'à ce que toutes les cellules soient identiques. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre son œil et son orteil. Jusqu'à ce qu'on ait ça. Mais pourquoi? Questionnez le métamorphe. Questionnez cette pathétique, informe et maligne horreur issue de notre stupidité. Demandez-lui pourquoi. Par ici, je crois que... Mon Dieu, c'est hors! Et voilà! On a de la compagnie. Allons-y. Ils ont trouvé Earl. Il est mort. Ils ont repéré le mutant. Il a fait un autre cocon. Il faut trouver un moyen de le prendre vivant. Non, c'est fini, docteur. Cette fois, on va le tuer. Non. Brian, apportez vos lasers. Sam, va te mettre en position. Colby, cette chose est pleine de secrets. On ne va pas la laisser mourir. Je ne vais pas la laisser mourir, docteur. Je vais la tuer. Non, écoutez. Laissez-moi au moins essayer avant. Éloignez-vous, docteur. Tout le monde est prêt? Prêt. Vas-y, Sam. Non. Il est vide. Il n'y a rien dans cette saloperie de cocon. Et où est Gordon? Il est parti. Il se dirige vers le centre de recherche. Mike, dépêche-toi. Il se multiplie de plus en plus. Ne bougez pas. Reculez lentement. Je ne plaisante pas, Gordon. C'est ce que je vous dis. Vous m'entendez? Bordel, tirez-vous de là! Heureusement pour nous, vous l'avez raté. Tracy, vous avez vu ça? Hélas, oui. Localisez ce soupirail dans les dossiers informatiques et dites-nous sur quoi il débouche. Compose le 6207, ça fera apparaître les plans. Brian, ça donne tout le complexe. Recherche le soupirail numéro 1, 5, 4, 4, A. Je ne vois rien.
Il n'y a pas de soupirail. 1544A. Une petite minute. Il y a au moins 1 million de conduits dans ce truc. Ah, voici, j'ai trouvé. Sur quoi débouche-t-il ? Une petite minute, il n'y a que des nombres. Voici. Ce conduit va vers HQR51W. Merde ! C'est la salle de contrôle ! Ça va, la liaison a été coupée. On a cru que c'était l'apocalypse. Mike, regarde ça. L'ordinateur. Fâcherie. On dirait qu'il opère un transfert de réseau. Il déconnecte le circuit d'appel de détresse. On est dans le beau drap. Cette créature est intelligente. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ah, c'est simple. Elle a coupé tous nos contacts avec le monde extérieur, détruit notre rampe de lancement, et pourtant elle nous a laissé... de l'air à respirer, de la nourriture à satiété, et une température qui nous permet de vivre. Pourquoi ? Le métamorphe veut nous garder vivants. Il veut nous utiliser pour une bonne raison. S'il est intelligent, avez-vous pensé à tenter de communiquer avec lui ? C'est peut-être la plus grosse bêtise que j'ai pu entendre aujourd'hui. Je l'ai dit sans vous vexer, Barbara. Ça ne fait rien. Il est au bloc opératoire. Qu'est-ce qu'il fait ? Seigneur. La nourriture. Il veut nous réduire à une simple protéine. Il se servira de nous comme nourriture. Mais pourquoi ne nous mange-t-il pas ? Qu'on en finisse ? Mais il a un besoin permanent de nourriture. Il plante un jardin et on est les graines. Le tissu humain, il l'utilise, notre tissu ? Oui, oui, oui. Il infecte du tissu humain avec le proto-B dans sa salive. Et le proto-B se met à l'œuvre et envahit toutes les cellules, modifie la structure génétique, remodèle le corps pour répondre à ses besoins. Oh, c'est horrible. Ah, quelle ironie. Si on se souvient pourquoi nous sommes venus sur cette planète. Aidez-moi! Non, relevez-la! C'est du proto-bé à l'état pur. Désinfectez-la, l'été. Désinfectez-la, non. Vous voyez ce que ça fait? Une métamorphose. Et vous savez pourquoi cette créature fait ça? L'instinct. Le proto-bé est le résultat de millions d'années d'évolution. Et nous n'avons aucun moyen de connaître son code génétique. Ah. Un métamorphe n'est qu'une moitié du proto-B. L'autre moitié, c'est quoi ? Vas-y, parle, s'il te plaît. Notre métamorphe est une fusion génétique d'une cellule de proto-B et d'un être humain. Vous nous avez entendu parler, Danny. Eh bien, nous savions que nous pouvions créer la cellule, mais pas l'utérus pour qu'elle y croisse. Annie a été volontaire. Elle savait que c'était dangereux. C'était un implant. Exactement. Nous avons greffé la structure génétique du proto-B sur les gènes d'une cellule humaine. De qui ? C'était une cellule de Gordon. Toute cette expérience, c'est son œuvre. Dans le laboratoire, on s'est servi d'une de ces cellules modifiées pour féconder un ovule. Et ensuite ? Lorsque la mitose a commencé, nous avons réimplanté l'ovule dans l'utérus d'Annie. Elle devait le porter à terme. Excepté que le terme a été de 2 semaines. Oui, et ça l'a tué.
précis. Ils font comme s'ils n'entendaient pas, Carl. Il leur dit que la chose est intelligente et eux continuent de dire que la seule manière de la traiter est de la bousiller ou je ne sais trop quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On devrait tenter de communiquer avec elle. Je sais, ça a l'air absolument aberrant, mais ça peut marcher. Nous n'avons pas tellement de choix. Écoute, c'est dingue, Barbara. Ce qui est important, c'est que si on continue à l'attaquer, elle continuera à nous attaquer. C'est une attitude d'autodéfense. La seule façon de stopper ça, c'est de briser le silence. Peut-être a-t-elle déjà ce qu'elle veut. Peut-être que nous n'avons qu'à nous en aller d'ici. Mais tu oublies tout ce qui est arrivé à Gordon? Oh non, c'est trop risqué. Mais je suis sûre de pouvoir briser le silence si on tentait de communiquer avec elle. Les êtres intelligents peuvent communiquer, pas besoin de langage. Regarde n'importe quel étranger loin de chez lui, ou une mère avec son bébé. Non, c'est pas la même chose. Si cette chose est aussi intelligente que Carl le prétend, il y a au moins une chance que ça puisse marcher. Si cette chance existe, nous devons essayer. Il faut le dire aux autres. Non, tu as vu leur réaction? Nous devons faire ça toutes seules. Passer au micro-ondes, le gazer. L'acide. L'acide, quoi d'autre? Les enfants, il faut trouver autre chose que ça. Je vous affirme que cette bête est futée. Souhaite-moi bonne chance. Nous n'avons pas d'âme. Et n'avons pas l'intention de vous faire mal. Est-ce que vous entendez les paroles? Ou mes paroles, ou mes pensées? Est-il possible que vous entendiez, mais que vous ne sachiez répondre? Vous me comprenez, mais vous ne pouvez pas répondre? Comprenez, je vous en prie, faites-moi au moins un signe, au moins un geste. Signifier qu'il est connecté sur ordinateur, mon Dieu, si c'est le cas, nous sommes au bout de nos peines. Mmh.
essayons de communiquer. Comprenez-vous? Affirmatif, que voulez-vous? Affirmatif. Il a compris. Demandons renseignements. Pouvons-nous coexister? Attendez, s'il vous plaît. Où ça? Dans la salle de contrôle. Allons-y. Sam, j'ai besoin d'une information. Si j'ai raison, en ce qui concerne la vitesse du métabolisme, tout devrait se terminer très très vite. Depuis combien de temps avez-vous votre cancer? Comment l'as-tu su? J'en ai déjà vu, monsieur, plusieurs fois. T'en as vu beaucoup trop. Voyons comment mes propres cellules cancéreuses vont réagir avec les tiennes. Je t'ai eu. Non, enfant de salaud! Attends, faut pas. Il a envahi le système d'oxygénation. Bousille-le, tu nous bousilles aussi. Ok, nous allons devoir envoyer un SOS. Brian, tu pourrais réparer les plombs? Je vais essayer. Couvre-moi. Tracy, ne reste pas ici. Surveille le cocon. Je n'aime pas ça. Le cocon est entièrement sur le transmetteur. Si ce truc se met à fondre, tu me sors de là. Sa réserve alimentaire, puis j'en finirai avec lui une fois pour toutes. Je peux le tuer, Mike. Je sais comment. Métastase métamorphique. C'est élégant, rapide, horrible et sûr. Brian, Carl a trouvé la solution. Sors de là. Bordel, attends une seconde. Il y a un court-circuit. Je vais arranger ça. Brian, sors de là.
Allons-en. Je peux le tuer, Mike. Seulement, il faut qu'il me tue d'abord. Carl, que faites-vous? Sortez! Sortir de là! Les labos de génétique, c'est l'endroit le plus sûr! Non! Non, non! Je vous en prie, non! Non! Tracy, apportez-moi de la morphine. C'est dans ma chambre. Allez-y, Tracy. Ne bougez pas, Carl. Faire. J'ai un cancer, Mike. Et mon cancer peut tuer le mutant. Je pensais l'avoir en lui faisant avaler quelques-unes de mes cellules. Un peu de mon tissu cancéreux. Ça le mettrait KO. Nous avons encore une chance. J'ai une grosse métastase énorme. Une tumeur. Ici, là, sur le foie. Il faut arracher cette tumeur de mon corps. Je ne suis pas chirurgien. Et la faire dévorer par le mutant. Je ne peux pas faire ça. Je suis en train de mourir, Mike. Le cancer va me tuer de toute façon. Carl, je ne sais pas comment faire ça. Je vous guiderai. C'est maintenant. Incisez ici. Une incision superficielle d'abord. Ensuite, vous irez plus profond. Faites aussi vite que vous pourrez, Mike. Carl, c'est impossible sans morphine. Et si vous y restiez, comment savoir ce qu'il faut faire? Je ne mourrai pas. Allez droit sur la tumeur. Carl. Incisez, bon Dieu. La grâce de Dieu. Figure de morphine.
Thank you.